matinale de 8h55, c'est le moment des pourquoi de Max. On est à l'heure. Pile. J'y vais ? Bah oui, ok, vas-y. Bah on y va. Alors, et ce matin, donc, dans les pourquoi de Max, c'est à vous de trouver le sujet, l'équipe. Une expression qui mêle sport et. C'est Garou. Garou. Et Bossu. Attendez. Elle est belle. Et prise d'électricité ? Non. Bah c'est belle, du coup. Non, alors Sébastien. L'expression, aujourd'hui, lorsqu'on veut départager des équipes, qui mêle sport et belle. On fait la belle. On fait la belle. Bravo, Grégory, bonne réponse. Ah, bah c'était ça, belle. Parce que les gens sont beaux quand ils font du sport. Et du coup, bah, ils se la pètent, ils font la belle, quoi. Neymar, c'est un beau gosse. Du coup, quand il joue, bah, du coup, il fait la belle. C'est un dernier coup de grâce pour savoir lequel des deux équipes va gagner ou lequel des deux sportifs va gagner. Comment c'est la belle performance, quoi, pour savoir un peu le coup de grâce, quoi. Pourquoi on dit pas le coup de grâce, du coup ? Bah, c'est une bonne question. Ouais, ouais. Mais c'est pas bête, grâce, belle. Ouais. Ça joue, ouais, c'est hein. Vrai. Mais c'est pas facile de répondre pourquoi de Max. La preuve avec Raphaël. Écoutez, je sais pas, se refaire une beauté, donc je sais pas, ou faire la belle, peut-être, c'est quand quand tu veux, je sais pas, quand t'es pas très doué, que du coup tu t'essayes de. Okay. T'essayes de. Ouais. Ah, désolé, trop long, Raphaël. Tu perds la main, du coup, on passe au candidat suivant. Il était un peu long. Et ouais, il y a ceux qui mettent trop de temps à réfléchir et ceux. Aucune idée. Et ceux qui s'en foutent royalement. Merci Gilbert pour ta participation. Allez, avant la réponse, direction les États-Unis d'Amérique avec Eiko. La belle et qu'on me dit le sport, ça me fait penser aux cheerleaders, je sais pas pourquoi. À la fin, genre les cheerleaders, elles sont à fond et la fin du match finit en beauté. Et elles font comment les cheerleaders ? Elles dansent, elles chantent. Elle chante super bien. Genre, je veux un P, je veux un S, je veux un G, un PSG. Wow, elle le fait vite fait. PSG, hop là. Elle a pas envie, il y avait un peu non l'impression. Assumé. Ouais. Alors, la réponse, l'expression remonterait à une pratique du Moyen-Âge. À l'époque, pendant les duels, les chevaliers devaient porter les couleurs d'une jeune femme. Et s'ils remportaient la troisième manche, qu'est-ce qu'ils gagnaient ? Un baiser de la belle demoiselle. C'est le baiser de la belle. Voilà. Ok, ah bah merci. On a appris des choses et encore moins belles grâce à toi. J'aime bien. Pouvoir crâner au resto quand on invitera des potes. One Republic, Blondie et les frangines, ou même à la maison. Moi, je me suis noyé. Et à tout de suite sur RTL2. Allez, go. RTL2.